Après l'examen en début du mois de juin dernier, les 308 171 candidats au DEF connaissent depuis ce vendredi 19 juillet 2024 les résultats du diplôme d'études fondamentales DEF, session 2024. Ils sont au nombre de 137 182 candidats à être admis sur toute l'étendue du territoire national, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Dans les établissements scolaires, les élèves étaient partagés entre joie et tristesse. Bon, je suis très content parce que j'ai eu mon DEF. J'ai honoré mes parents. Je suis très content. Et ceux qui ne m'ont pas admiré, je vous souhaite la prochaine fois ils ont admiré. Bon, c'est la deuxième fois que je fais, mais la troisième fois que je reçus. Je suis très contente parce que j'ai eu les DEF. Ça... Le taux d'admission de 44,46%, une hausse par rapport à l'année dernière qui était de 30,32%, soit un écart de 14,14%, témoignant ainsi le bon déroulement de l'année scolaire et de la détermination des autorités. Le taux d'admission en fait est positif par rapport à celui de l'année dernière et en même temps que de façon générale, les enfants se sont bien comportés pendant ces examens, avant et pendant l'examen. C'est ce qui explique certainement ce taux. Le premier responsable chargé des examens et concours au niveau national se dit satisfait de l'organisation et du bon déroulement des examens du DEF de cette année 2024, dont les résultats sont encourageants. Les programmes d'enseignement ont été épuisés ou presque, et ça a permis aux enfants d'avoir un gain de temps qui leur a donné l'occasion de faire des révisions, de demander des appuis à leurs enseignants et en même temps de mieux se préparer pour affronter les épreuves du TEF. La première nationale, Sira Traoré, âgée de 14 ans de l'école Les Cimes de Djelibougou dans l'académie d'enseignement Bamako Rive Gauche, a obtenu une moyenne de 18,57.